Bien le bonjour à tous et bienvenue dans la partie 5 de Ratchet et Clank. Je suis Ultimate John Doom. Nous venons résumer d'effectuer la partie suivante de Blackwater City et que nous avons effectué la course d'Overboard et aussi la partie des coulisses où le capitaine Quark loge en ce moment dans son caravane personnelle et que nous avons soudoyé le garde du corps pour qu'on puisse entrer dans la caravane privée du capitaine Quark et qu'il nous a proposé un défi ici dans Umbris. C'est parti. Et que je tente à chaque fois d'y arriver, mais j'étais focalisé sur le temps que j'ai même pas eu le temps de faire convenablement. Hop là! On peut y arriver. Aouh! Voilà. Sans.
commence ici. J'aurais dû ne pas me mettre comme ça. Heureusement qu'il y a un point de contrôle, parce que sinon je vais devoir tout recommencer. Aou! Sang. Avant de continuer, je regarde. Oui, je suis ici. Non. Je pensais que si ça peut ouvrir par là, mais non. Ça, je ne ferai pas. Et voilà. Et on verse tout.
avance. Et on lance au swing. On avance. D'autres créatures. Voilà, on verse le tout. On avance. Trop haut. Faut guider l'eau. Voilà le capitaine Quark. Mais d'abord, je vais faire ça. Bien, bien. Vous arriverez toujours à me surprendre, vous deux. Placez-vous au centre du cercle des héros, et je vous donnerai enfin ce que vous méritez. Ratchet, ce n'est pas le moment d'être méfiant. Nous avons atteint notre objectif. Ouais, je sais pas. Ça flaire l'embrouille à plein nez par ici. Écoute ton petit ami métallique, Ratchet. Il ne tient qu'à toi de changer ton destin. Bah, c'est juste qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Ça suffit. Quark va nous aider à arrêter le président Drake. Eh bien, merci, Clark. Tu m'as fourni une aide très précieuse. Il me semblait bien que c'était un piège. Attends, mais pousse-toi de là, pauvre imbécile. J'adore voir mes plans aboutir. Que voulez-vous dire? Mais qu'est-ce que tu crois, boîte à boulons sans cervelle? Il n'est pas là pour nous aider. Il va nous tuer. Tu piges vite, dis-moi. Mais il y a juste une petite erreur dans ton analyse. Ce n'est pas moi qui vais vous tuer. Ah bon? Non, c'est lui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ce n'est pourtant pas si difficile à comprendre. Je suis le nouveau porte-parole officiel de Drake. Et il n'est pas question que vous compromettiez mon retour. J'ai pas dit mon dernier mot, Quark. Non. Mais ça ne saurait tarder. On va devoir affronter ce monstre Blarg. On n'aura pas le choix.
débarrassé de munitions, je pouvais le vaincre. Il se protège d'un bouclier. Je le mets ici, il tombera dans la lave. Il perdra son bouclier. Détruit une deuxième fois, il tombera. Voilà. Mince, il a fait évacuer toutes les munitions. Bien, approche. Créature Blark. Meurs anéanti dans l'ébullition de la lave. Je me demande à quoi sert cet info-robot. Bah, il est peut-être là pour te remplacer. Nous sommes coincés! Nous sommes coincés! Les vaisseaux bombardent notre position depuis les airs! Là, on l'a échappé bien, hein! Nous avons besoin d'aide! Vite! En fait, j'ai besoin d'aide! Tout mon bataillon a déserté et m'a laissé tout seul au combat! Si l'ennemi ne tue pas ses gars, je m'en chargerai! Je ne veux plus dire que longtemps! Je demande de l'aide immédiatement! Terminé! Les vaisseaux de Drek sont en train de détruire la planète. Il faut aider ce commando. Ouais, j'espère que tu plaisantes. J'en ai marre, je me casse. Capitaine Quark va regretter de m'avoir cherché les poux dans la tête. Il n'est maintenant plus question du Capitaine Quark. La vie d'innocent est en jeu. Ah ouais? Eh ben j'en ai ras la casquette de jouer les héros. J'ai pas que ça à faire, moi. Ratchet, ça ne te ressemble pas. Mais qu'est-ce que t'en sais après tout, hein? T'as passé tout ton temps à chercher Quark. T'es loin de me connaître, mon petit gars. Je sais que tu feras le bon choix. Eh ben pour l'instant, tout ce que je veux, tu vois, c'est trouver Quark. C'est pas vrai, comment ça marche ce truc débile? Aurais-tu oublié? Il te faut un système d'allumage robotique. Je démarrerai le vaisseau si tu acceptes d'aider ce commando. Je rêve. Tu me fais du chantage? Ok. Allez, tais-toi et démarre ce vaisseau. Quelque part à bord du vaisseau amiral du suprême président Drek. Oh, c'est à moi que vous parlez? Je n'ai jamais eu l'habitude de parler tout seul, espèce de bouffon. Tu t'es débarrassé d'eux? Ouais. Enfin, j'avais un plan et je pensais... Tu pensais?
tu pensais? C'est moi la tête pensante ici, espèce de mou du cerveau. Mais tu devais seulement éliminer ces deux vermines avant qu'ils ne nous causent de vrais ennuis. Mais je souhaites-tu toujours être le porte-parole mieux payé de ma planète? Oui. Alors la prochaine fois que je te demande quelque chose, fais-le bien. Allez, hors de ma vue. On prend maintenant le vaisseau à l'effigie du capitaine Quark. Et on va se diriger vers une autre planète. Planète Batalia. Garde à vous, misérable vermine! Soldats, si je vous reprends déserté, je vous abats moi-même! Eh, faut arrêter le café, moi! Là, Ferminus, vous voyez ces bombardiers? Regagnez les tourelles et abattez ces vaisseaux avant que la planète ne soit plus qu'un simple tas de cendres! Retrouvez-moi à l'entrée de la ville! Il a besoin d'aide. Ah ouais? Ben vas-y, toi, si tu veux. C'est encore un piège! Alors allez! Vas-y! Va casser du méchant! Au moins, je ne suis pas un lâche. Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Je vais te dire, dès que j'ai trouvé Quark, je te vends la casse. On va devoir affronter les ennemis qui sont ici. Jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif. À sa demande. Je vous aspire tous les deux. Salut Mekai. Voilà une autre arme que j'aimerais beaucoup, mais il coûte 10 000 boulons. Ok. Je suis mort. Une porte à serrure. Et voilà.
faudra que j'y retourne dans une autre planète que je dois encore rendre un service. Et cela, on verra plus tard. Qu'il y a de ce côté. Un boulon d'or, magnifique. Je survis le plus longtemps possible pour atteindre la partie suivante. Rien à faire, ça bouge pas. Ni à part les armes nucléaires, j'ai tout essayé. Bon, c'est pas grave. Vous laissez pas miner, mon gars. Allez, à plus. Pas si vite, soldat. Vous irez là-dedans même si je dois vous y pousser. Ha ha! Ce conduit d'aération mène à la plateforme de la tourelle. Soldats, essayez de vous infiltrer dans ce conduit discrètement sans vous faire remarquer. Vous avez fait preuve de courage pour arriver jusqu'ici, soldats. Cela mérite une bonne récompense. J'ai intercepté ce communiqué qui peut vous être utile. Prenez-le. Je pars retrouver mon bataillon. Bonne chance. Bonjour, chers amis Blarg. J'espère que vous vous portez bien. Comme beaucoup le savent déjà, notre planète n'est désormais plus habitable. Nous avons perdu nos usines, nos laboratoires et notre douce existence à cause d'une pollution sans précédent, nous forçant à tout abandonner. Heureusement, les planètes voisines nous fourniront tout le nécessaire pour créer une nouvelle terre d'accueil. Et nous touchons presque au but. Une fois que notre scientifique aura trouvé l'orbite idéale, notre nouveau monde sera parfait. Réservez vite votre emplacement. Les meilleurs sont déjà pris d'assaut. Bonne journée. Maintenant, tu comprends pourquoi il faut l'arrêter. Il ne renoncera pas tant que toutes les planètes ne seront pas détruites. Ah ouais? Ben moi, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh, et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Laisse tomber, c'est une expression. Bon, dis-moi, ce commando, il a pas dit qu'on pouvait entrer dans la tourelle? Si, grâce au conduit d'aération. Mais nous ne pourrons pas marcher sur cette surface.
Bon, ben moi je vais faire piscine alors. On reviendra plus tard, allez. Il te faut une paire de magnétibots Gadgetron pour traverser ce conduit de ventilation. Hélas, nos scanners n'en détectent aucune paire sur cette planète. On va revenir au point de départ. Faut retourner au vaisseau pour aller sur une autre planète pour trouver les magnétobots. Pardon pour avoir baillé. Ok. Non! Je suis tombé. Avant de retourner, avant de partir pour Orkson, nous allons ici. Là. Il faut mettre au courant l'agent de Skidmark Marks. Qu'on a gagné la course d'Overboard. Planète Aridia. Vous avez réussi! Beau travail, mon petit! Alors, vous allez être mon agent? Et comment, petit? Et en prime, je t'offre... où est-ce que je l'ai mis, ce truc-là? Ceci! Cool! Un casque! C'est un casque Sonic. Ça attire les souris des sables. Exact! Et il est à toi! Bon, il faut que j'aille m'occuper de la paperasse, moi. Ma secrétaire appellera la tienne! Ah bon? Tu as une secrétaire, hein? Le casque Sonic te permet d'interagir avec les mystérieuses et intelligentes souris des sables. En dépit de leur apparence inoffensive, elles sont de redoutables chasseresses. Équipe-toi du casque Sonic lorsque tu te trouves à proximité de la maison d'une souris des sables et elle en sortira pour t'accueillir. Si tu lui plais, elle t'offrira peut-être son aide. Ok. Car casque, tu as le casque Sonic. Autant il m'aidera pour plein de choses. Il peut même entrer n'importe où et n'importe quoi. Salut Mekai. Je vais prendre ça. Comme ça, c'est déjà fait. Avant de continuer, j'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Je vais prendre ça, puis ça sera bon. Partons direct vers la nouvelle planète. À Orkson. C'est parti. Planète Orkson. Seul Clank peut sortir du cockpit parce que sans le masque O2, on peut même pas on peut pas respirer dans cette planète. Autant je vais arrêter ici, comme je suis déjà maintenant à 36 minutes. J'espère que cette partie de vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager ceux qui sont fans du rétro gaming. Et surtout n'oubliez pas que la passion jeux vidéo et rétro gaming est... Ratchet & Clank continue à suivre dans la prochaine partie.